Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Rookie, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Faire ce jeu super sexy. Un bijou en os. Je vais l'ajouter à ma collection. Qu'est-ce que c'est? Pommade revitalisante au charbon actif. Ah, frotte-la sur ta fourrure et lui redonnera sa couleur et son lustre. Voilà qui. Quoi ça? S-I-E-D, c'est un mot ça? Je vais constater par moi-même cette pommade en son soleil. Ouais, tu tournes à droite là? Calice. Oh, mais les bons jambons ne lui manquera pas. On peut rien faire. Arrête de chier.
une. Elle dit qu'elle brille, ça veut dire qu'elle a eu 50. Je peux peut-être trouver un moyen. On va voir ça va nous mener. Tu passes trop vite. Je suis allé, toi. Oh mon croquelin, chérie. Hey, coucou maman. Bien que celui-là ne suffira pas. Et toi, au marché ne tient plus, à moins que tu ne prennes pas sur ta promesse. Non, je... Ça. Vite, je commence à parler à ta petite tante. Yes. Pas moins de traverser, pas question de nager. Oh petit croquelin, je te cherchais. Non, elle m'a trouvé. Manque à ta maman, elle veut que tu rentres. Ah ben, pas moi. Ben moi, je veux pas rentrer. C'est assez grand pour vivre seul. Elle ne te manque pas. Je
Je vois que tu pars d'une bonne intention. Et tu ne connais pas ma mère. Elle n'arrête pas de me dire de ranger ma grotte et elle me force à partager avec mes frères. Ouh, ça n'a pas l'air si terrible. Donc je peux pas te persuader de rentrer. Dur. Dis à maman que tu n'as pas trouvé et puis... Ça risque d'être plus compliqué que je pensais. Pardon, mais c'est pour une bonne cause. Ta maman veut te voir. Tu n'auras peut-être pas toujours l'occasion d'aller la voir. Qu'est-ce que tu... Ne m'en veux pas. Ma formation, je répare dès que possible. Pas tant niaiser, moi. Je retourne chez toi, petite bitch. Croclin, où étais-tu? Maman, c'est promis. Maintenant, je serai sage. Hey, petite. Bult. On va trouver un remplaçant. Peut-être, oui, on va. Elle était grande ou toute petite? Je sais c'est où, là.
Qu'est-il arrivé, jeune enfant? Ouais, je sais où, c'est ce qui est l'autre troll. Il a échappé, félicitations. Mieux vaut ne pas se mêler de ce genre de choses. Vous en repartirez, elle a quelque chose dont j'ai besoin. Impossible, on peut être sans prisonnier. Sans libérateur, il n'y a pas d'autre voie. La prison, j'ai déjà donné. Alors, tu dois trouver son vrai nom. Chaque syllabe doit être prononcée devant elle. Le moindre erreur ne ferait pas de renforcer. Vous connaissez son nom? Non. Pas de toute évidence, tu connais le nom de l'Anix. Hein? Ah bon? Ton esprit recèle un nom d'emprunt de pouvoir. Prononce ce nom devant l'Anix, Tov. Tu lui rendras service. Je ne sais pas si c'est vraiment l'envie de rendre service. L'Anix n'est pas comme son frère. C'est un rapport avec False Dream. Il a dit qu'il avait une sœur. Ouais, mais c'était une créature terrestre avant de succomber à l'eau. Et la fille perdue dans les profondeurs aquatiques. Je n'ai un nom. Et si je prononce devant elle, elle se libérera, libérée et trouvera la paix. Lui a longtemps été refusé. Ah! J'en prends, là. Quoi qu'en pense? Une hypothèse. Petite trempette juste fait. Et puis une autre pierre qui est encore. Alors, tu es un âme torturée. Tu n'as jamais eu l'occasion de grandir? Mon frère, lui, il le peut encore. Je ne peux pas te laisser m'arrêter, alors pardonne-moi. Agnesella Johansson Merkerson. As-tu bien prononcé? Nick, nick, nick. Dès que j'ai lu qu'est-ce que l'arbre parlait, je me suis douté que c'était ça. Soit une meilleure prochaine vie. Le lac est givré. Quoi maintenant? Il y avait quelque chose à gauche, j'irai voir ensuite. Je vais peut-être trouver un moyen de placer cet auto, mais je suis pas certain qu'il est. Et à la main dehors. Le saumon de la même sorte.
religion, je dois retrouver quelque chose, donc j'appelle un parasite Natamor. Vous savez ce que c'est? Même si nous n'avons jamais vu. Nous avons entendu parler du parasite Natamor. N'ayant passé toute la forêt, failli succomber au fléau du Natamor. Le parasite étant attiré par les lieux et les êtres refermant leur pouvoir partout où ils s'implantaient, les ténèbres et le chaos régnaient. C'est terrible. Voilà. Alors, mon pauvre impatient. Allez, Gwen, excuse. Sans plus ma sœur, désolé. Pendant, il n'y avait pas d'autre moyen de la libérer de sa prison. Elle se rappelle enfin qui elle est, et d'autres avec elle, merci. Instrument simple, mais pas agréable. Tu as apporté autre chose, je crois. Ah. Là. Des jambes impressionnantes. Et à voler un être puissant. Ça, ça fait réjouissant. Voilà un paiement parfait. Qu'apportes-tu d'autre? Au revoir. Donc. Ah, l'une des pierres a bu son soul. À vous, jeune fille. Tu peux apporter autre chose. Quoi? Et l'une des pierres du bon son soul. À vous, jeune fille. Tu peux apporter autre chose. Merveilleux, ça c'est la dernière des pierres assoiffées. Vous pouvez m'apprendre à contrôler l'eau.
Telle est ta requête, je l'exaucerai. Oui, s'il vous plaît. Seulement Lars pouvait voir ça. Ouh, c'est dehors frustre, cette flûte est maintenant sans égal. Celles qui en jouent aussi. Regarde à l'eau. N'est pas toujours gentil, je me rappelle. Merci, Frostgrim. Je ne ressens plus ma sœur des eaux, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla. Bon, là, il y a deux solutions que j'ai. La première, c'est ici. Je n'ai jamais cru que ça brûlerait aussi bien. Et voilà. Voyons à quoi je fais face, à un monstre terrifiant ou à je ne sais quelle créature mythique. Ah. Je n'ai jamais été aussi déçu de trouver un trésor. Je crois qu'il y a aussi un chemin qui s'enfonce. Je te dis, ce motif est trop joli pour moi dans une grotte humide. J'ai toujours voulu m'enfoncer dans un endroit humide. Un crâne de bélier, j'ai l'impression d'être une sorcière. Je n'ose pas imaginer la taille du volatile qui a pris ça. Et voilà. J'ai Nick Château. Ça doit être l'entrée. Allez, Tov, on prend son courage à deux pieds, à deux mains. La vache est en toi et dingue. Qu'est-ce que c'est ce machin?
Ah, lisse, c'est le château, hein. Ah. Pas la moindre toile d'araignée abîmée. Il y a quelque chose là devant, quelque chose de gros. Un géant. Un gardien, ça. C'est forcé. Or, il est là depuis si longtemps qu'il a couvert de toiles d'araignée. La question que je m'approche avant d'avoir... Voyez. C'est parti. Beaucoup mieux. J'espère que ce corps est de taille pour réveiller un géant. Qu'est-ce que c'était? Y'a quelqu'un? Oh, c'est vous, gardien ours? Non, tu aurais pas dû venir ici. Tu aurais mieux fait de t'enfuir. Nous avions épié chacun de tes pas et tu en feras pas plus, rien de plus. Et qui ça, les arbres? Les arbres sont loin d'avoir autant de yeux que nous. Prends-toi, j'ai même pas peur. Veuve Drow est mon nom, et je connais le tien, pauvre. D'ordinaire, je ne mange pas les enfants humains, de la viande à trop est répugnant. Mais les corbeaux menacent de manger mes enfants. Ils insistent pour que je fasse une exception avec toi. Non. Nous y sommes presque. Ben oui, je l'ai maudit. Il est rendu tout petit. Débrouille très bien, Rookie. Garde tes forces pour la fin. Je ne m'entendais pas. À que cette transformation nous épuise autant. Gênant. Mange. S'il te plaît, fais ça pour moi. Nouvelle. Ah, elle a rencontré notre cher ami parfait. Elle est allée plus loin que je ne l'aurais cru. C'est mieux ainsi. Jamais mes traits de frère ne l'auraient aidé. Ils n'aident pas ceux qui sont différents. Et que soit leur besoin. Trop fier, trop colérique, trop craintif. La forêt se porte mieux sans eux. Je suis heureux d'avoir infecté leur sommeil il y a si longtemps. Une éternité de cauchemars, un juste châtiment pour ce qu'ils nous ont fait. Pauvre. Les Cordeléans, c'était une petite fille intrigante. Je me demande si elle savait que son frère avait été touché par la magie. Beaucoup ont été à ta place, mais aucun ne s'en est montré digne. Toi, tu es différent. C'est grâce à toi que nous sauverons mon Rookie.
Merci. Je m'appelle Lars. Lars. C'est rigolo. Oh, mais qui te tue? Moi qui va être adorable. Ne complique pas les choses, Rookie. Le seul moyen pour qu'on t'accepte, tu sais. Mon père humain, mes frères et sœurs Jotnar, tous m'ont abandonné. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Je peux pas changer. Il y avait un autre moyen? Il n'y en a pas. Assez. En presse. Nous devons accomplir le rite tant que nous en avons la force. Dans le royaume du cristal détente. Est-ce que tu parles de ta fâcheuse situation? Ni. Es-tu? Merci comme nous. Les tombes des cavernes. Elle nous dévore de même qu'autrefois nous dévorions les trésors. Oh. Seconde, j'ai une blague. Je vais de nous. Blague là-bas, la veuve te l'a prise. Ce n'est pas pour rien qu'elle vit depuis des millénaires. Non, 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 ça ne peut pas être la fin, pas après tant d'efforts. J'ai surmonté mes peurs. J'ai aidé la forêt. J'étais à deux doigts. Oh Lars, Lars, mon petit gnome, seul est avec cette chose. Je peux trouver, c'est fini. Désolé. Qui est ce tombe dont tu parles, jeune fille? Mon petit frère, je l'ai perdu. Comme tout le monde. Tu as un frère tombe. Oui. Pas vraiment, c'est comme ça que ma mère m'appelle. M'appelait, ensuite je l'ai appelée comme ça quand elle nous a quittés. Famille d'humains qui révèle les tomtes. Un trésor plus rare que les diamants de cette grotte. Où est sauvé, sœur des tomtes? Silence, amuse-bouche. Écoute, jeune fille, écrin la lumière. Et ceci est le royaume du cristal des tomtes. Autrefois, elle reflétait magnifiquement le soleil. Silence, où tu parleras avec ma bouche pleine. Hubert la lumière. Hein, que se passe-t-il? Eh bien, je vais me réparer. Je vais me répéter de vous deux. Avec ce conte, tu m'as donné un grand trésor. Je t'offre donc un peu en échange. Et ne vous pas, c'est pas détendre. Encore un mortimage? Tente, juste. N'espère pas t'en tirer. T'es coincé ici. Non, c'est toi qui, quoi. À ton tour de fuir. Fuir contre une fillette désarmée. Les filles sont les plus puissantes des humains, tu sais pas en fait rien? Ah. Soleil, c'est ça. Hein? Ah. Ah.
Et voilà. Quel éclat. Oh, cette lumière. J'avais dit que c'est... Oh, ce que pour... Prends ça. Non. Alors, éclat doublé là, c'est vraiment aveuglant. Quoi avec moi je... Plus quoi qu'on m'échappait. J'ai pas lu ton message, toi.
pu les enlever, eux autres. Plus que ça pour m'échapper. Un tabarnak. Oh non, pauvre chou, je vais t'aider à découvrir. Enlever lui.
peut l'enlever. Je l'ai. Hello, Gwen.
de cette lumière maudite. Là, toi, je te parlais dans le vide. Demande la permission. J'ai demandé si t'avais demandé la permission pour la salle de bain. Yes. Bien de retrouver cette... Tu as dit, je doute que l'attaque directe fonctionne. Il va falloir que je joue finement. C'était pour toi, pour avoir voulu me bouffer. Merci, merci. Deux jambes. Salut tante. Ça va bien maintenant? Voilà libre.
Et voilà. Tiens, je vais t'aider. Yes. Autant tu les. Mignon. Fatigué, t'es en juste un autre A ou. Damien, ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est? Oh là, salut. T'as vaincu. Nous avons une dette éternelle envers toi. Ouais, tu vas bien? Merci, je n'aurais jamais pu me lier sans toi. Nous ne serions pas libres sans toi. Comment pouvons-nous te remercier pour ta force et ta bonté? M'aider à sortir d'ici. Je pense, oui, nous pouvons essayer. Passe-toi sur la pierre ici. Eh oh. Santé. Attends, je dormais. Eh oh. Moi, je suis là sous la pierre et maintenant, dans l'affaire d'éviter. Nous sommes reconnaissants, puissantes, humaines. Merci Tante, je ne t'oublierai jamais. Tante, Tante. Merci, merci petite tante. J'arrive Lars, maintenant réveillons les gardiens. Aucun gardien ne peut te protéger de moi, fillette. Ils sont faibles, inutiles et malades. Abandonne, tu ne sentiras rien. Viens vers moi. Ça ne nous retiendra pas si longtemps. C'est tout pour le live du Caribou Canadien. Le jeu Rookie. Oh yeah! Live sur la chaîne du Caribou Canadien.